Pedro the Great est un fils de Henri the Navigator, le navigateur qui n'avait jamais navigué. Alors pourquoi c'est important de parler d'Henri the Navigator? C'est que c'est l'un des meilleurs successeurs de King Mambo. King Mambo qui est actuellement le croisement idéal pour aller à la descendance 1 de Northern Answer, 2 de Sunday Silence, qui inonde un peu le marché mondial du pur sang. Pedro the Great, dont la mère est par Rainbow Quest, donc là on a affaire beaucoup plus à un profil classique, a été un excellent 2 ans, vous avez pu le constater sur ces images. Il a gagné un groupe 1 à 2 ans, et pas n'importe lequel, le premier groupe 1 du programme européen consacré, ouvert aux 2 ans, c'est-à-dire les Phoenix Stakes sur l'hippodrome du Curragh en Irlande. Coolmore, qui avait ce cheval en course, a conservé une participation. Donc nous avons aujourd'hui l'association de Coolmore Stud Bretagne Alain Régnier avec Coolmore Stud Irlande. Donc. Oui, c'est vrai, c'est ça, hein, n'est-ce pas? Et donc, il a saillé 65 juments pour sa première saison en 2014, 18 du Radenov, 16 de Plaine.